Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur Dofus. Nous sommes dans notre soirée Dofus succès spéciaux. Si vous étiez là hier, vous savez que nous sommes tombés sur servitude spéciale. On a rendez-vous vendredi prochain pour s'y mettre parce qu'on a besoin que Acide soit là avec son SRAM. Donc pendant l'intervalle, on va continuer notre roue. Miss nous... notre random.org du moins. Miss nous rejoindra un peu plus tard sur la soirée. Donc là, je suis que avec Boogie et on est parti pour faire le Coolos spécial. Puisque c'est sur celui-là qu'on est tombé pour aujourd'hui du coup. Semaine prochaine, je vote pour zéro donjon. Semaine prochaine, je mettrai peut-être l'option zéro. Mais pour ce soir, je vais lancer la prédiction et on va mettre combien de donjons pour ce soir? 1, 2, 3 ou 4. Ou la semaine prochaine, je mettrai 1 ou moins et 4 et plus. 1 ou moins, vas-y. 1 ou moins. Comme ça, on a déjà les bonnes features. 4 ou plus. Temps de vote, 5 minutes. Hier, on en a fait deux au final. On en a fait deux hier. Mes points, ouais. Hop. Malheureusement, on a eu du mal sur le troisième. Que la prédiction se lance. C'est parti. Et nous, bah, je te propose qu'on fasse les petites salles tranquilles et que je révise le spécial dernière salle, quoi. Hop, attends. Zou. Aïe, aïe, il faut les attaquer déjà. Je croyais qu'il fallait se promener un peu dans la grotte. Non, non, je crois que... Ils ont changé ça ? En fait, il y a un moment où il faudra... il faudra se balader. Plus jamais je mets 4, je vous fais plus confiance. Alors là, pour le coup, on est sur un petit... Après, ça dépend. Quand, on va... Et quand il va rester que des petits donjons, on en fera plus que 4. Ouais, c'est possible, ouais. Et c'est vrai qu'il reste encore des trucs un petit peu hardcore dans la liste, dont le servitude spécial, qui nous occupera vendredi. Mais ouais, du coup, demain soir, j'avancerai un peu le projet Chimera Bands, je pense, et je vais... Je testerai enfin Marvelous Designer, du coup, qui est le software qui permet de faire des vêtements. Je vais essayer de faire un t-shirt blanc et de le faire et ensuite de l'exporter en caractère créateur et de le lui mettre et de voir ce que ça donne. Ah, la prédit veut pas apparaître, je vais pas taper haut sur lui parce que c'est un... Voilà qu'Indigo. T'as bien mis comment ça la prédit? Ah bah oui. Ah non. Tu vois, je la vois pas non plus. Ouais, pardon. J'avais pas validé, c'est ma faute. Là normalement vous avez 5 minutes pour voter, c'est bon. Excuse-moi. Le star si vous devez... Frustré de pas pouvoir investir ses paillettes en plus. Ouais, j'essaye de créer un petit jeu effectivement. J'essaye de créer un petit automé game. Que j'ai en tête. Alors j'ai commencé, hein, ça fait j'ai commencé l'an dernier déjà. Mais entre le world building, l'écriture et puis quelques changements, notamment de moteur de jeu. Bon bah ça avance. C'est là qu'il faut. Ouais, oui, c'est là. Il faut descendre. Tu penses que personne va voter un ou moins Tima? Ah bon? Étrange. Ah, il y a un archi. Je sais plus si je l'ai lui. T'as besoin de quelque chose? Ah, tu veux... Je vais prendre l'archi, ouais, je vais te faire. Bah, je vais en t'aider, hein, vas-y. Juste lance ta pierre. Ouais, c'est juste de regarder si j'avais une pierre assez grande qui était équipée. Alors je sais pas pourquoi tu peux pas voter Cassiopée, parce que là pour le coup c'est bien up. Ellie elle a voté 4 ou plus encore. Je te laisse... je tape pas, je te laisse lancer ta pierre. Il faut lancer la pierre maintenant, peut-être plus, ça a changé non? Si si, il faut toujours lancer, okay. C'est juste que par contre la pierre... Et elle est équipée par défaut, t'as plus besoin de la mettre... Elle est équipée et j'ai quand même mon arme. Ah oui voilà, c'est ça.
Donc là, si vous avez le père pas, et puis toi, t'as un truc divin aussi. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, la pierre elle est jaune. Parce que t'as participé... Ah bah je savais pas, d'accord, très en bien. En fait c'est jaune pour les archimonstres. Du coup, alors qu'est-ce que c'est les archimonstres? C'est un peu les Pokémon Shiny du jeu. Et en fait il faut les collectionner pour un Dofus, tout particulièrement le Dofus Ocre. Voilà, donc il faut les capturer dans une pierre et ramener... Oui. Ah, voilà, y a... il faut ramener les monstres, il faut ramener les boss. Et un peu ouais, comme si tu les collectionnais pour une quête spécifique qui est le Dofus Ocre, mais que nous, voilà, nous, moi j'ai fait depuis longtemps déjà. Je vois le truc, mais je peux pas jouer. Oh non, mince, bah, je sais pas. C'est dommage. Pourquoi. Ouais, parce que c'est pas restreint pourtant. Tu veux peut-être mettre trop de paillettes. T'as bien ou... des points, Cassio. Je lance un boogie, attention. Ah. Ouais, vas-y. Bah. Ils ont disparu sous toi. Bah. Il est où le groupe de mobs? Mais. Pourquoi il a disparu alors qu'il y avait. Je sais pas du tout. Il y a des bugs chelous. T'as bien des paillettes, Cassiopée? Parce que ça peut venir de là si tu peux pas jouer. Mais ça me paraîtrait bizarre parce que c'est 10 minimum les mises. Oh, je l'ai des pop. J'ai un peu des PTSD des koalak parce qu'il y avait une quête, je l'avais vraiment farmée. Bah, je crois qu'on l'avait tous farmée, mais une période de notre vie où les idoles n'existaient pas, par exemple, même si elles n'existent plus maintenant. C'est les poils de barbe urticant et les machins et les trucs. T'as, j'avais passé du temps là-dessus. Ouais, tout le monde a froid. En tout cas, je vois qu'Eli a pu voter, Mitsu aussi, Lily aussi, donc. À voter. c'est comme les élections. Je vois si vous avez plus ou moins cru en nous. Après, on est bon, comme allez. Vous. Après le Koulos, on sait pas ce qui va nous être demandé. Hein. J'irai check PPC vers... Bah, après le donjon, je pense. Après le donjon, ouais. Comme ça laisse le temps à Miss de rien d'arriver. Exact. Je préfère faire double Alcosu en vrai. C'est bon, j'ai dû relancer le stream. Ah. Nickel. Vous êtes nombreux à avoir voté 3, j'ai l'impression. J'avais pas rappelé les consignes, mais effectivement, du coup, bon, comme d'habitude, normalement, vous êtes un petit peu habitués. C'est jusqu'à 22h30 que sont comptabilisés les donjons pour la prédiction. Et si à 22h30, on est dans un combat de boss et que ce dernier est réussi, même si l'heure est dépassée, il sera compté comme réussi, voilà. Ah non, parce que bon, si on tombe sur un boss qui met une heure... Bah, si on n'a pas lancé avant et qu'on est dans les salles, par contre, bah, ça, c'est pas compté, quoi. Non, bien sûr. Non, je veux dire, il y a des boss où... Bah, typiquement, bon, je suis pas sûr qu'on en ait... Si, on a la reine des voleurs encore, mais... Ah, c'est une vraie vie dimensionnelle, les trucs ouais. De... Les trucs dimensionnels, par exemple, ça prend du temps, quoi. Alors, je révise, hein. Koulos spécial, qu'est-ce qui nous est demandé? Il faut juste pas qu'on soit transformé. Juste pas, j'adore quand tu dis ça. À la cool. Aucun allié ne doit être transformé en bouffe cool. Et donc on nous a dit que bah c'est lui qui fait ça. Hein. Oui. Donc on le dépop. Allez hop. Ah mais il a l'ini quoi. Ouais mais si on est loin, il doit rien nous faire je pense. On va voir. Non bah on recommencera hein. Ouais mais en même temps tu veux... Ouf oh, bon. J'ai eu peur en vrai.
Je me suis vu attirer et pour moi c'était la fin. Genre pour moi c'était la fin, j'étais en mode merde avec les limites qu'on a actuellement, mais jamais, jamais on réussit le succès en fait. Ah il aurait fallu sinon que tu mettes un Dofus cauchemar. Ou un non truc mais pour vas-y tu fais 3002. Je suis pas sûr. On aurait dû mettre des compagnons. Par contre, on va fail. Ouais c'est pas con ça. Parce que je pense qu'il faut qu'il soit... Il faut qu'il puisse nous attirer, il faut qu'on soit à son cac. Ouais, il me semble qu'il... Ah, t'as bien fait de le repousser en vrai parce que sinon il aurait pu m'avoir. Par contre il est caché là. Non, il est pas caché. Ok, parfait. Voilà. Voilà. Normalement, maintenant qu'il est mort, plus de risque de fail. Le bouffe-coup ne pouvait pas le rendre invisible. Bah, je crois que... Non, invisible, je sais pas. Je sais plus exactement les sorts de Bouffe-coup. J'avoue, je l'ai pas laissé s'exprimer. C'est des zones où on n'est plus. Ouais, c'est clair. Je sais qu'il y a des bouffe-tout. Je crois que c'est le bouffe-cool qui aurait pu nous transformer aussi, non? Je crois, ouais. Il a un sort, mais... je crois qu'il faut qu'on ait un état avant. Ah, l'état peut-être du... Ah bah c'est peut-être pour ça qu'il nous a rien fêté. Hein. Comme il n'avait pas encore invoqué son bouffe-cool. Bon bah voilà, c'est juste validé en fait. On a été très très rapide. 20h39. Oh, il y a une anomalie. Alors, Google Drive... random.org. Donc, et de 1. Donc, évidemment, je l'ai pas précisé, mais si on tombe sur... Est-ce qu'on pourrait retomber dessus? Sur servitude, bah je retire du coup, parce que c'est vendredi. C'est déjà prévu. Alors, on enlève le coulosse. Il nous en manque plus que 23. 3, 2, 1... Oh. On va attendre Miss, hein. C'est quoi? On part en méno. Oui, on va attendre Miss. dans le genre... truc... chiant, on va peut-être faire qu'un donjon ce soir. Bonsoir à tous, j'ai attendu le tirage avant de venir, je pense que je vais repartir. Mais ça vient, on va s'amuser. Ah bah Lily vient avec nous aussi. Du coup le méno... Merci pour les points, bah oui et non Tima, parce que si on n'y arrive pas, ça fait que 1. Quelqu'un a-t-il voté 1? Il se peut qu'on ne le passe pas. Hein. je crois pas, j'ai cru voir personne. Dommage. Il y a zéro. Il y a un ou moins, il y a zéro. Les paillettes. C'est la pionche des paillettes. On va voir si la team 2, la chance est de votre côté du coup. De toute façon, le temps les que Miss se doivent terminer leur ligne. En ligne de vue des ennemis, non? Non, leur tour en ligne d'un combattant allié. Ah. Y a pas un truc où on se prend des dégâts quand on fait ça? Je vous laisse ici, ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle, ce donjon plein de poissons. Plein de bisous, je me suis dit... plein de poissons. Je sais plus lire. C'est parce que je passe trop de temps dans les aquariums, je pense. Et que là, le méno, c'est aussi des poissons, pour le coup. Ah
Ah bah il y a Lily tout. Alors juste, je vais faire une pause mouette. Bonjour Lily. Bonsoir. Oh, tain, Lily, t'as une pépé zoro roro, non? Bref, je reviens, je... Oui. Ni de ma vessie. Elle est insupportable. Je vais check. C'est quoi? Je reviens. Vas-y, vas-y. Comment qu'ils vont? Tiens, je te laisse le lead. Super. Bah moi ça... Ça change rien de toute façon. Ouais, c'est con. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Parfait. M'invite des groupes si vous voulez. Ouais. Bah, on y va. C'est clair normalement. Est-ce que tu l'es pas avec son... Il est pas ah, il est peut-être pas que le bon perso, mais c'est possible. Ouais, non, j'ai pas connecté le panda, j'ai la flemme. C'est bon. Attends, mais tu veux y aller On y va à 6 du coup? On n'a pas le choix, hein. Faut emmener les deux, hein. Ah non, mais c'est surtout ton énu. Ah, mais on a besoin de retrait PM, c'est obligé. Ah oui. Ah, c'est obligé. On n'a pas assez de classe qui pousse. En fait, faut qu'on... Putain, ça va être chiant. Ouais, on a pas de crawl, là. Les crawls, ça aurait été bien. Tu veux pas roll? Non. Est-ce qu'on fait jouer Nao full R? Merci, Mitsu. Mais si Mitsu, t'inquiète. On va le passer facile, on va en faire un autre après. Ça psychote dans notre chat là déjà. Re, c'est parfait, en fait, l'enfant d'or. Moi c'est le 6 qui me tire le pin. Le fait qu'on soit 6. Ouais. Je reste en Rox. Ouais, tu resteras en Rax. Bah, en même temps, il me semblait qu'il mourrait tout seul. Enfin, il gagne en... Il faut avoir quand même des bonnes restes pour tanker le temps que... Parce que plus... Je sais plus parler. Et les escaliers m'ont fatigué. C'est... Plus on avance, c'est un donjon où il faut rester en vie longtemps, quoi. C'est de mémoire. Non ouais, c'est ça, mais je suis en train de réfléchir de comment on va le jouer. Bah, plus le combat dure, plus on tape fort, mais plus vite on finit le combat, mieux on se porte, déjà. Et puis, je suis en train de me tâter si tu vas... Il faudrait que j'achète des stuff, du coup. Ah, pourquoi? Parce que je suis en train de me tâter si on va pas te mettre en... Alistair Valévenar. Et avec ceinture dame Jessica, tu vas te mettre tout en bas de la map avec le boss collé à toi. Et entre autres, tu vas le 1v1 pendant que nous, on pousse les mobs et qu'on se protège et tout. Il faudrait que j'ai quand même quelqu'un en ligne avec moi. Hein. Ouais, t'inquiète pas, t'auras un perso. T'auras un perso. Et ça fera 2, 2 et 2. Ça fait 6. Est-ce que j'ai un copain qui a un stuff R à me prêter? Alors, moi, ce que je lis, pour le combat, la façon la plus rapide d'éliminer le méno est de l'éroder et de taper et de le taper tous les tours. Le combat devrait donc se finir au bout de 7 à 10 tours. Un personnage avec du retrait PM est conseillé pour ralentir les monstres invoqués par le méno. Ah, c'est pour ça que t'as sorti les nus maintenant, je viens de capter. Ouais, les nus retrait PM. Parce que le Steam peut pousser, le Yov va roxer, l'Enu va retirer PM, l'Upper va pousser, le Panda va être au corps à corps, Chubeki, et l'Eni va booster, soigner, et taper. Et le Yop érode aussi. Et le Yop érode aussi.
Du coup, pas de Vita et tu prendras le truc érosion. Ou c'est peut-être à la place de puissance, je sais pas. Alors. Parce que t'as plus les épées de machin là qui érodent. Ça a changé. C'est pression. C'est pression. C'est des pressions, ouais. T'as pas pression. Ouais, mais il y a un autre sort d'érosion. Ok. Et si on peut faire double érosion plus l'érosion de Boogie, on peut full éroder et full taper. Alors, ouais, alors là, non. Et je peux pas juste mettre la ceinture d'âme Jessica, il faut. Non, faudrait que t'aies un stuff R. C'est pas grave, je vais ouais, l'acheter. Ouais, mais non, mais. Je vais l'acheter ouais, parce que j'ai besoin d'un stuff R de toute façon, donc. Il y a le sort feu, mais. Bon, je te laisse ma petite chez mon 6. Ce sera pas plaçable, ce sort. Désolé, du coup, j'avais pas prévu de faire un Valet Vénard. Un méno à cette heure-ci. Tu regrettes de te rentrer? Tu sais que j'ai attendu hein, le message hein, pour voir c'était quel boss qu'on allait faire. Tu voulais pas venir à vous? Franchement, j'ai hésité. Putain, y a des Valet Vénard Exo PM à 2,5 millions en HDV? C'est tout, je peux même me l'acheter. Ah oui. Attends, je vérifie mes sous. Ouais, je peux me l'acheter. Bah, tu me le prends ouais. Et je te donne les sous si tu veux. Non, non, mais oui, effectivement, il y a un sort qui érode, c'est la variante de puissance. Ouais, voilà, bah tu prendras ça. Je vais le mettre, comme ça il sera bon. Ouais, mais le Valet Vénard à 2 millions, il est pas beau. Ah. Oh. J'aime bien. Pardon, je fais des achats, je me dépêche. Ouais, il fait son shopping. Mais bon, c'est du shopping dépêche. Pour moi, là, je vais faire Pretty Woman. Let's go. Valet. Si vous voulez, je peux aller au Meno TP. Ça, je peux faire. Ah, j'aime bien. J'y suis déjà. Ah. Ah. Bah, pour une fois que je prenais des initiatives. J'ai juste TP. Non, parce qu'en plus, j'étais là et puis je me dis, ah, mais tiens, mais Boogie est là, ça veut dire que... potentiellement, il faudrait qu'on aille au TP, quoi. Et je me suis dit, bah vas-y, mais non. Bon. Je vais attendre pour TP, vu que fait des achats. Ouais, attends qu'il fasse son shopping. Je vais changer le titre, parce que c'est vrai que Koulos spécial, c'est pas très vendeur, et puis surtout, les gens vont pas comprendre si on est en méno. Hop. J'avais un Valet Vénard, mais PA, mais tout pourri. Non, t'inquiète pas, c'est gentil. De toute façon, comme je t'ai dit, je l'achète pour moi aussi, donc... J'en aurais besoin. Scandi, bah hello. Ça fait un moment je l'avais pas vu. Je l'ai vu il y a peu de temps, le petit loup. J'ai acheté un Vélar PM, du coup il fait un Alistair PA. Ça coûte. Voilà, on a besoin d'un Stram, au pire il y avait Scandi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais non, je veux voir le talon d'acide. Fais la loterie de ton havresac, pourquoi? Il y a des trucs bien dedans. Franchement, je l'ai pas fait depuis longtemps. Je peux gagner des récompenses, mais bon. Un parchemin du tailleur, génial, en vrai, hein. Je vais monter mon métier là, je sens. Et il porte où le parchemin? Mantache. Dis donc, cadeau. Je vais dans. Faut que t'ailles dans Bourse Okama. Ouais, Bourse Okama. Ah bon, ça va pas sur moi directement. Oh, trop chiant. Vas-y, chiant, il faut aller dans. C'est pour ça que je le fais jamais. En vrai, les parchemins, c'est encore les meilleures choses que tu peux choper dans la loterie. Hein. Youpi, j'ai gagné 100 XP dans le métier de tailleur. Je pense que là, moi, vraiment. Les parchemins, je les revends, moi. Je vais être tailleur 200 soon, je pense, hein. J'en suis où dans mes métiers d'ailleurs, moi? Oh! Pff, ok. Mon dieu, j'ai eu un Wapano. Un Wapano en chocolat. Du coup, j'ai des petits lapins qui me suivent. Ah non, mais c'est trop mignon ça, fais voir! Bah. Attends, ah oui, t'es là. Oh! Et
j'ai des petits. Mais c'est trop mignon ça. Attends, c'est un truc qui est spécial en ce moment parce que c'est Pouak ou quoi? Bah c'est, il y avait une blind box gratuite. Où ça? Bah je sais pas si c'est toujours le cas. Dans la boutique normalement. Ah ouais, mais on s'y me... Je sais pas si c'est toujours le cas. Ah, c'est pas cette loterie là qu'on faisait nous hein, c'est pas le Havre Sac que ça. Non, c'est la boutique. Oui, mais Il y avait une blind box gratuite il y a pas longtemps. Vous pouvez TP si vous voulez. Ah, du coup, je suis passé à côté moi. Il y a marqué pas, mais il y a rien dedans. J'ai fait mon shopping. J'ai claqué mes caméras, je suis content. Ouais, il y a pas un. Bah, ils l'ont peut-être enlevé. Oh non. Oh, j'avais pas suivi les infos. Oh, il a une save. Ça va. On reste un peu dans le poisson. Hein. Moi, c'est une thématique assez récurrente en ce moment. C'est pas sur le jeu, c'est sur Ankama Shop onglet Dofus. Ah, il est que sur l'Ankama Shop. Mais Ankama Shop... Je pensais que tu pouvais l'avoir... Ils ont pas lieu les boutiques maintenant, de toute façon. Bah, il me semblait que tout était lié et que du coup, tu pouvais l'avoir, mais... Ankama Shop onglet Dofus. Sur le site Dofus alors quand même. Moi je l'ai pris sur le site web donc après... Ah oui, pardon Miss. Pas de soucis. Du coup on a dit la Alistair. On a dit la Vénard. On a dit la Dame Jess. On a dit la Mantache. Ah ouais, quand tu tapes Ankama Store sur Google, tu n'arrives pas dans le même store que quand tu vas sur le site Dofus Ankama Store. On va mettre le 7 ans de malheur. J'ai pas un autre bouclier tacle. Ah, mais si. On peut avoir l'Elysée. Mais on enlève le bouclier Twitch. Non, c'est pas... C'est pas quoi? Bah, y a pas le blind pack. Il n'y est pas? Non, donc je pense que ça. C'est qu'à mon avis, il n'y est plus. Ça communique normalement. Hein. Ou alors c'est dans un onglet derrière, mais ça me paraît étrange. C'est normal que j'ai du délai de ouf sur ton live? Non, pas spécialement. J'ai au moins 10-15 secondes. Ah, ça va encore 10-15 secondes? Ouais, c'est. Après là, j'ai un petit truc qui... J'ai un petit sablier là. Donc je sais... Ah oui, bah oui. Il y a eu un petit crash de 4G je pense. Et ça y est, c'est en train de rebuff et de revenir. J'étais en rouge, maintenant je suis en jaune. Ça rebuff, je suis en vert, vous m'entendez bien? Oui, nickel. Ah oui, Discord n'a pas... Ok. Discord, non, ça allait. Bah, tu peux lancer quand tu veux. Tu mettras le stuff au boss on regardera à ce moment-là. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ah oui, Goom a une save. Et du coup, Goom a une sauvegarde. Ouais, salle 3. Ok. Une salle 3. J'en profite. Ouais, il a dû vouloir s'amuser à aller faire solo. Ah bon? Tu penses? Oui. Là, c'était pareil à servitude. Non, mais il était sale une servitude. Oui, bien sûr, c'est parce qu'il avait réussi. Il avait pas réussi, justement. Il avait dit. Après, c'est vrai que le Gambaf, il tape fort. Oui, c'est... Je suis parti sur le Molus. Une mollusque, mais... de la bande. Ouais. Ah, mais j'aurais peut-être dû partir sur le Gambaf, du coup. Bon, de toute façon, il joue après Acid, donc il va de toute façon nous tabasser. Il nous défonce. Ex-Gambox. Ah, c'est cool, c'est qu'il a pas tapé trop fort les Nutrof. Non, ça va. Il t'a détruit. Il m'a éclaté.
Tu joues quoi la nuit au fait? Multidocrit Tous mes persos sont multidocrit. Ouais, non, mais c'était pour aller. Ah, je cherche plus par quatre chemins, y'a que le Yop qui est full terre. Mais sinon, Lenu, Lecra, Lenny, Lelio et Luper sont dans multidocrit. Ok. T'as réussi ton combat au fait contre les monstres de Cabal, Lily? Oui. Félicitations. C'était quoi le... C'était un combat spécial? Le combat à vague avec le lancier dans une zone à bon temps. Oui, j'ai géré. Merci, merci Mild. Monsieur qui a la team dans ma guilde. Mild de Way? Oui. Mais ses conseils ont été précieux. J'avais fait beaucoup de tentes à moi. Pas tant que ça. Ah bon? On avait fait 5-6, grand max. Ah, bah ça me semblait beaucoup déjà. Non, Lily a dû en faire une cinquantaine. Donc, ah bon? Ah bah au moins. Ah ouais, d'accord. En Yop, c'est hardcore quoi. Moi j'étais en train de te spec. Oui. Ah, j'ai géré. J'étais refait quand je l'ai fait parce que j'ai bien galéré dessus. Pas d'autre pas. La variante de bon, c'est agitation, et ça m'a bien aidé parce qu'en fait ça coûte que 2 PA et ça te donne 3 PM et t'es intaclable pour un tour. Et ça m'a été bien utile, ça m'a sauvé la vie dans le dernier tour. Après, on dit ça parce que c'est passé donc je te taquine, mais il y a beaucoup de combats je trouve que t'avais troll quand même. Ah. Tu tapais trop avec ton arc. Oui c'est vrai. Il a dû te le dire, Emile, je pense. Il l'a sous-entendu. Bah moi j'osais pas trop te MP, j'allais pas te dire corrige ça quoi, enfin je me voyais pas trop le faire. Mais non, tu l'as passé, c'est le plus important et puis let's go. Maintenant je dois faire un Elisael pour continuer. Let's go, tu pourras me vendre ton Dofus Sylvestre. Elle est trop sympa. Oh, franchement, l'Isael spécial, j'adore aussi. L'Isael spécial, je l'ai fini. Ah. Le Comte et l'Isael, c'est mes deux donjons préférés du jeu. Attention, Lily, tu te prends un... Ouais, tu te fais du mal, tu te fais du mal. Un bon retour. Si je fais ça... Ah, ok. Non, c'est l'étoile. Oui, c'est l'étoile de mer. Au boss, faudra être attentif les loulous, si vous tapez l'étoile de mer, ça risque de nous foirer le combat. Parce que du coup, vous prendrez des dégâts et pour vous soigner, ça risque d'être compliqué. Ouais. Regardez-nous ce daron là, il nous daronise. Ben oui, toujours. C'est un bébou. Waouh. J'en ai fait un il y a pas longtemps à Meno, parce que j'ai fait je sais plus quel succès dessus d'ailleurs, mais j'ai fait un succès. Je vous daronise. Un peu. Ouais, je trouve ça bien. Moi, je drop rien. À mettre les nuls loin parce que bon, j'en ai marre de me faire tartiner. J'ai vu tous ces poissons-là à l'aquarium tout à l'heure et je les retrouve ici, c'est fou. Et ils sont plus beaux en vrai ou sur les jeux? Ben, ils sont quand même vachement plus funky colorés ici, quoi. Ouais. Parce que en vrai, ils ont pas d'aussi... Quoique le homard bleu existe. Bah après, c'est rare. C'est 1 sur 100 000 ou 1 million, je crois. Oh bon? Les homards bleus, ouais. J'en ai quand même vu assez souvent dans ma vie. Moi, je raconte peut-être des bêtises. Homard bleu. On a un truc qui m'étonnerait que ce soit juste. Bah, ça s'achète dans les poissonneries. Moi, j'en vois souvent. Ça coûte 42,50€. Bon, je raconte n'importe quoi. Coucou Yout, merci beaucoup pour le level up niveau 56. Ouais. Comment ça va? Après voilà, ils mettent homard breton, est-ce que du coup on en a plus chez nous? Je sais pas. C'est ma mort là. Ah non. Homard bleu de Bretagne.
Bon, ça reste du produit gastronomique, hein, mais... ça existe, quoi. Ça va bien. Ouais, bah donc je dois confondre. Tant pour moi. Non, 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 mais ça reste rare, mais... Oui, mais... Bon, après, c'est peut-être parce qu'en Bretagne... C'est peut-être rare, mais j'en vois quand même assez régulièrement, du coup... C'est peut-être l'équivalent du bœuf de Kobe, j'en sais rien. Le player Valorant. Non, j'ai beaucoup de PA, dis donc. Là. Je le croise tout le temps, Yut. Hein. Ah ouais, sur Valo. Dès que je sois en live Valo, Yut. Rare en Bretagne, ça parle du soleil. Ça parle du soleil. Non, du homard. Il dit ça fait 3 mois. Ouais, mais c'est sur les lives du coup, pas sur le jeu. T'étais pas ce matin sur le live de Weeper? Y'a que lui qui peut comprendre. Oh, Weep, You t'es stalké. Eh non, mais je le stalk pas, mais à chaque fois que ça parle, y'a You. Arrête, y'a You qui part. Tu vois? J'ai regardé un peu ce matin avant d'aller au taf. Je connais même pas ton rank sur Valorant, Yout. Ouais. Non, le boss ça va être sympa, on verra comment on va se faire. Le spécial c'est faut être en ligne d'un ennemi, c'est ça? D'un allié. D'un allié. D'un allié, d'accord. Oui. Ouais, parce que justement, la mécanique, c'est qu'on leur fait des dégâts. Mais on fait des dégâts que si on passe dans le glyphe. Non. Ah, non, le glyphe, c'est juste pour te mettre. On se fait des dégâts si on est en ligne avec un allié. C'est ça. Ah, t'es silver, je sais pas. Mais justement, c'était pas lié au glyphe. En gros, non. Enfin, tu prends 1000 de shield quand t'es dans le glyphe. Oui, mais et si t'es aligné avec un mec qui a une glyphe aussi, tu prends des dégâts. Oui, tu mais donc c'est lié au glyphe. Ces glyphes vous donnent un bouclier de 1000 au début de tour du Mino si vous êtes dedans, mais inflige également des dommages en ligne jusqu'à 6 PO à vos alliés. Si vous utilisez la mécanique des glyphes, vous gagnez du bouclier. Il faudrait donc finir à plus de 6 PO en ligne d'un allié. Ce qui me fait dire que si t'es pas dans le glyphe, a priori, à ce moment-là, tu n'infliges pas de dégâts à tes alliés, mais je peux me tromper. Bah oui, du coup, oui. Lu comme ça, oui. Putain, j'avais pas le souvenir que ça soit comme ça, autant pour moi. Et du coup... C'est juste qu'on pourra pas bénéficier des filtres. Est-ce qu'on... Bah... Si tu utilises la mécanique des glyphes, en connaissance de cause, quoi. Ou alors t'évites. Et si on focus le méno... Je sais pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait aussi. Je me souviens qu'on évitait de se mettre en ligne, justement, et qu'on se foutait dans les coins, donc bon. Mon dieu, on récupère notre Eneripsa. Ah oui! Le retour de Goom. Let's go. Il est pas là pour voir tes fioles manquer, donc c'est bon. Tant mieux. J'en ai fait des cauchemars cette nuit. Ah oui. Toujours plus. Avec son gros piaf là. C'est vrai qu'il est particulièrement imposant par rapport à nous tous. Il n'y a pas du tout les nuls. il est tout petit. Mais il a le plus gros oiseau. Les classes les plus petites. Ouais, c'est ça. Et c'est une vanne ce qu'il vient de faire lui là. Il compense. Ah et bah il se colle à tes basques. Et ben on va pas soigner. Après son oiseau est joli, j'aime bien en vrai. C'est le faucon là, c'est ça? Ouais, il est joli mais il est imposant quoi. Ouais, c'est vrai. Pa. J'arrive pas à voir c'est quoi le familier d'Acide.
T'as un nouveau familier. Ah c'est oui, petit familier de des trucs d'abonnement, c'est ça. Non, petit tableau. Ah oui, la bouffée qui va avec, ok. J'adore, c'est que l'édu se fait éclater. Ah bah, généralement, endocrite... Pas de quoi tu parles. Ouais, du coup, les raids sont pas forcément au rendez-vous, quoi. Pour le méno, c'est pas un peu compliqué, le multidocrite. Pas de quoi vous parlez. Eh non, 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 je serai retrait PM. Ah, ok. Comment je vais faire ça? Ah, c'est trop bien, c'est le week-end, demain c'est dimanche, on va pouvoir dormir. Let's go. Je ne ferai pas de commentaires. Ah là là. Enfin, je dis ça, et en fait ce matin l'enfant a dormi jusqu'à 9h, mais c'est moi qui étais réveillée à 7 quand même. Et mamie est tombée du lit à 8. Donc voilà. Queerzot. Oh le ah moins sans PM. Non non non, pour le coup il a dormi. Mais là il dort déjà. En même temps il a pas fait de sieste aujourd'hui. Je l'ai fait courir dans son aquarium. Déjà, ça l'a... Je pense qu'il sera levé plus tôt demain, ouais. Et je sais pas ce qu'on fera demain. Là il fait beau, ça devient agréable en vrai, on peut sortir et faire des trucs. Oh. Franchement, ils jouent assez smart les mobs là, je trouve. Ils en veulent pas du tout aller nu. Non, surtout pas, non. J'arrive pas à me connecter à mon emploi du temps. Ça va être problématique, ça. Boum. Par contre, il me fait rire parce qu'en ce moment, quand je dis quelque chose, il me fait « Ok ». Quand il est d'accord. L'enfant blingue. Je vais te dire oui. Ok. Hey, tu me fais. Ok. Il est pas parti dans la direction que je voulais, mais c'est pas grave. Non mais des fois ça le fait. Ça marche quand même. Des PM des fois. En fait tu veux mettre ta souris à un endroit pour aller à un endroit et en fait ta souris elle passe ailleurs et tes PM vont à ce ailleurs et du coup tu te retrouves là où tu veux pas. Ouais, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Tu fais des détours. Je fais des détours pour aller là où je voulais, ouais. Sauf que du coup, j'arrive pas là où je veux. C'est pas grave. Ça marche quand même. Ok, quatrième salle. Vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Je trouve que le méno, il a un peu une vibe de David Jones aussi. Hein. Ah, j'avais plus de mer, mais... Bah, David Jones. Il y a 20 milieux sur les mers avec le Nautilus, entre guillemets. Mais pour le côté orgue et dans son histoire, il y avait une histoire un peu de malédiction aussi. Bah ça, pour le coup, je trouve que ça fait un peu David Jones. Oui.
C'est incroyable, j'ai vos refs. Quoi ? Après, les deux sont quand même des refs assez connus. Hein. Non, mais David Jones, c'était sûr, Pirates des Caraïbes, mais par contre, le Nautilus, j'ai la ref parce que... J'ai la ref, quoi, mais à mon âge, je trouvais que c'était pas mal. C'est presque une ref connue. Ah, de rien, 20 milieux sur les mers et le Nautilus, c'est quand même un peu vieillot et je vois pas d'adaptation récente qui pourrait le rappeler. Bah, il y avait Dwayne Johnson avec... Avec je sais plus qui. Voyage au centre. Ou c'est Aventure 2, là, je sais plus quoi. Ouais, Voyage au centre de la Terre 2. Ouais, exactement. Qui est ressorti là, dernièrement il... Bah, sur Netflix, non. Mais ça date un peu, je dirais... Voyage... C'est sorti en... non, c'est pas 4 ans. 12 ans, plutôt. Mais comme c'était sur Netflix, alors t'as rattrapé des classiques, en fait, c'est ça. Ah, voilà, voilà, exactement, okay, okay. Exactement. T'as toi joué avec Goom, par contre, mais... Oui, je me fais un peu... Non, mais tu vis un peu ma vie, là, tu sais, moi qui me perds sur Internet, alors que c'est mon tour. Ouais, de ce que je vois, ouais, c'est une vingtaine d'années, les dernières adaptations. Ouais, du coup, pour moi, dans ma tête, bah, c'est ce que j'allais dire, ça fait pas si récent que ça. Mais bon, en même temps, je suis pas toute l'actu du cinéma. Mais je parle des vraies adaptations, du coup, parce que... Ah, autant pour moi. C'est inspiré, pour le coup, Voyage au centre de la Terre, c'est inspiré, mais librement, c'est pas vraiment une adaptation du roman. Ok, autant pour moi. C'est bon, non, ça. Mais si déjà tu connais le Nautilus, c'est très bien. Mais c'est... Oui, c'est ça. Eh ben, je connais. Et le capitaine... capitaine Nemo. Là, c'est justement... C'est le capitaine Nemo. C'était Nemo de base, non? Et c'était oui, lui c'est ça. Qui oui, était c'est le ça. Capitaine du Nautilus. C'est ça. Mais est-ce qu'il avait un orgue aussi? Parce que moi, c'est vraiment l'aspect orgue qui me... Bah, il me semble... Alors, je suis pas sûr qu'il en ait un, mais dans le Nautilus que j'ai en tête, ça fait un peu penser à l'orgue, justement. Ah... Ah si, il a vraiment un... Il y a vraiment un orgue dans le Nautilus. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Il y a quelqu'un qui a fait une adaptation en Unreal Engine 4. Et puis il était à Disney, dans un Disney... Bah, Disneyland Paris, apparemment. Miss, enfin, si, ce serait bien que tu... Avec la musique de Contine dans notre été, par contre. Ah, si, c'est moi si jamais. Oui. Qu'est-ce que tu Miss dis Miss Acid et Miss Goom ce soir. Ah, oui. Ah, pas beaucoup de PA. Et après c'est le boss là. C'est là qu'on va rire. Ah, on va rire, super. On va rire loin, mais on va rire. Non, c'est... Entre lui et la Belladone, c'est les deux donjons où j'ai mis le plus de temps. Ah ouais, j'ai déjà envie de caler. Mais j'étais tout seul après, donc j'oubliais facilement sur le méno de me remettre en ligne. Et puis je voulais jouer vite. Là on est beaucoup, je pense que chacun on a va plus d'un va cerveau prendre... pour quatre. Oui, tu trouves, je sais pas, en vrai le débat est ouvert, tu trouves que c'est plus facile d'être plusieurs ou plus facile de jouer tout seul? Alors, pour moi c'est plus facile de jouer à plusieurs quand il faut faire des succès durs, se les rappeler et autres, mais si tu veux être rapide dans tes combats ou autres, 100 fois tout seul. Parce que généralement tu passes sur le perso et tu fais les actions que tu as déjà en tête et tout. Tu speedrun quoi.
Après, moi, je préfère jouer à plusieurs pour avoir fait les deux pendant longtemps. Le quoique, si j'ai fait pas mal de succès tout seul, notamment les duotages et les machins. Mais après, bon, ça arrivait quand même assez souvent que on joue au moins à deux, quoi, genre quatre persos chacun. Mais je préfère plus on est de fous, plus on rit en vrai, quoi. Ah, moi, j'aime bien être entre copains, c'est cool. Ouais. C'est cool. C'est pour ça qu'en soi, moi j'aime beaucoup jouer avec vous tous. Hein. Oh. Moi ça me plaît de convertir des multi-compteurs comme toi là, au monocompte. Oui. Même si là ce soir tu joues tous les gens qui sont pas là. Je crois que ça revient un peu. Ouais, il en joue que deux, ça va. Ouais, c'est vrai. Ouais, même si parfois on est une équipe de bras cassés, quoi, mais ouais, j'avoue, c'est plaisant. Vous savez qu'on a presque fait déjà le portage, il n'y a plus que Nao qui doit tuer. Ah ouais le... Oh. Quand Goumi ouais, meurt, il y a le... Ah non, tu veux pas partager, d'accord. Ah oh, non, je partage pas, moi. Attends. Top. Mais quand Goumi meurt, du coup, il y a son piaf qui part en boule de plume. Hein. Le Méno, bonjour monsieur, enchanté. Donc c'est là que je passe en stuffagie. Hein. Donc on a dit sonar, on a dit chalutier, on a dit gardienne, on a dit harponneuse. C'est quoi la foreuse? Oh, je vais devoir changer tous mes sorts aussi parce que... T'as besoin que je fasse quelque chose d'autre que pousser? Pousser? Parfait. Non mais c'est savoir s'il y a un... Non, il y avait des sorts en particulier qu'il fallait que je mette. Tu vas pousser principalement. Neptune! Tu vas pousser principalement. Pardon. On en a fait un pour l'instant, Erzos. Ok, tu mets... Je mets 300 en agi, le reste en vita. Tu veux que je mette plus en... Tu mets full agilité. D'accord. Tu joues liqueur et tu joues... Schnaps. Oula, j'ai mis du temps. J'aurais besoin de désenvoûter Miss ou pas? Non, il n'y aura pas besoin. De toute façon, s'il faut, il y a Goum. Alors, Nao, en bouclier, tu mets ton Illizael. Ah oui. Oh là, la tête que ça te fait là. Moi, j'ai une couronne, je suis une reine. Ouais, qu'est-ce que tu voulais que je mette en Dofus ou autre du coup T'enlèves ton turquoise, tu mets un Vulbis. Ouais. T'enlèves ton ivoire, tu mets un ébène. Mhm. Pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Tu mets pas du tout un ébène, tu mets un trophée tacle à la place, pardon. Un trophée... de tacle. Ah. Ah non. Non, je peux pas le mettre parce que j'ai pas le... j'en ai pas d'autre. T'as pas le bon trophée tacle. Attends, bah je vais abandonner avec le panda, je vais te TP et on va se donner rendez-vous devant le donjon. D'accord. Bon, en attendant, je prends Schnaps et liqueur, tu m'avais dit, mais ça par défaut, je l'ai moi. Hein. Ouais. Oui, je sais que tu l'as par défaut. Est-ce que en Yop, tu veux que je prenne des sorts en particulier? Oh punaise, je reviens seulement de la daronie depuis 20h30 à essayer de la mettre au lit. Oh là là. Je compatis. J'ai confiance en vous ce soir. 3, oui. Pression, vindicte. Lily. Ouais, ça c'est mis, ouais. J'allais te dire, c'est pas mes sorts, ça. C'est tout. Et Boogie, tu mets quadra élémentaire quand tu taperas haut. Quadra élémentaire? Ouais. Bon, ouais, le courant, tu mets le courant en quadra. Ok. Et Nao, montre-moi tes stats, s'il te plaît. J'aime trop, je suis obligé de donner vos sorts, j'adore. Je trouve pas trop drôle. Oh non, je viens pas de tout défaire comme une... Non, c'est bon.
Mes stats, les voilà. Bah, ok. Gars, que je fasse un volcan. Bah, j'ai tout mis en détail. Nazi. Ouais. Va dans le détail. 12-6, 3 de PO. Qu'est-ce que tu veux voir? Mon tacle, 158. Oh. Mets un givre Fuchs. Ah oui, j'ai pas changé mon... Je l'avais pas changé. Mais non, solo. Non, mais c'est moi qui fais n'importe quoi. Hop. Meno solo panda, j'ai un doute énorme. Quoi? Ouais, attends. Il a combien de tacles le loulou là? Il a 205 et il faut 405. Ok. Du coup, t'as mis le familier, ok. J'ai 193. Et... Monte tes trophées? Ah, mais t'es re-rentré directement? Ouais. J'avais pas vu. My bad. Est-ce que je l'ai sur moi? Je l'ai pas. T'as les 20 du Vulbis? Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Bah, moi, je joue jamais à Asie. Hein. La dernière fois que j'ai joué à Asie, c'était sur le combat un peu chelou, là. T'inquiète. Bon, ah oui, j'allais sauvegarder ça, comme ensemble, au cas où. Par hasard, en fait... tu veux que je joue Détermination à la place de Précis? Non. Jamais indéplaçable, c'est pour ça que je te dis ça. Non, ça sert à rien, c'est ça. Toi, ce que tu vas faire, par contre, tu vas pas utiliser bon. Tu vas utiliser le sort PM. Ouais, agitation, ouais. Ouais. Il est bien ça, sort, hein, je trouve. Comme ça, tu pourrais utiliser Intimidation et autres. Ouais. Quoique, attends, en vrai, j'aime bien le bon. Bah bon, ça met des petites vulnées, quoi. Six. Non, prends bon, garde bon. Non, la vulnée en soi, elle sert à rien. Pas la vulnée qui m'intéresse, je vais... Le panda. Bon bah je crois que je suis prête. Hein. Du coup je résume. Moi je retire des PM. Nao je vais te booster PM pour le T2. Tu iras chercher notre pote le Meno. Mm-hmm. Et attends, on va tous rentrer dans le combat comme ça je vais tous vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Ok. Du coup. Merde, je rentre dans le défi. Ouais. Nao, t'auras le Meno là, il va venir vers nous. Toi, ton objectif, c'est d'aller le chercher, mm-hmm. de te placer ici et le Meno ici. D'accord. Lily, toi, tu te placeras ici. Ouais. Boogie ? Oui ? Tu te placeras ici. Attends, j'étais pas dedans. Ouais, je sais, mais tu verras les pings ici. Tu finiras en ligne avec... Donc soit à droite, soit à gauche. Avec Lily. Vraiment là, oui. Moi ici, okay. Meno ouais, là. Moi, je me débrouille pour mettre Acide ici. Et mon ennu ici. Ok les loulous, tout est bon? Mais on sera pas aligné là. Il y a besoin que d'une personne en ligne avec toi. Oui, mais... Oui. Et moi qui est en ligne avec moi. Ouais, Lenny Ripsa. Ah ok. Toi tu restes là, tu resteras là, et Lenny Ripsa il fera là. Non mais je posais ma question, genre qui est en ligne avec moi? Tu as bien fait. Ok. Eh ben c'est... Quand vous voulez. J'ai mis le retrait PM sur les nus, j'ai combien? Savoir si c'est assez. Ouais, ça sera bon. Eh ben on est prêt, on est parti. Qui lance? Ben vas-y. Wouhou! Mets-toi là, Lily. Ouais, ma mâchoire qui craquait devant tes gros dégâts, l'autre. Là si jamais. Ouais. Je me mets là, je suis en ligne. Le brassage. Je peux mettre un wasta si tu veux. Exactement ce que je vais faire. Et tu le fais aller par là. Je veux que... Ouais, plutôt sur le Gambalf. Tu donnes de la vita et...
Ouais. C'est le premier sort. Oui, oui, vert. T'inquiète. Nickel. Pardon. J'essaie de réfléchir en même temps. Comme tu dis. Ok. On sent que c'est pas son arbour, bah ça c'est sûr hein. Ah bah ça. Non ça il l'aurait solo. Ah le arbour oui, bah évidemment je prends ma team. Paf. Ouais, nickel ça. Le rapport, je le connais comme ma poche. Là, mon petit loup, tu pourras finir ici. Voire même, en vrai, viens ici et tu finiras là. Fais-toi plaisir. Amuse-toi. Profite. Bah, débrouille-toi. Répète. Tu vas là et tu te défoules-toi. C'est un plaisir. Comment tu le remets en ligne quoi, avant que la fin de ton tour. Ouais, ici. Ah, les 4 PA. Non, nickel, Boogie. Oh, les 4 PA, il m'en restait qu'un à la fin là. Ah, j'ai pas vu. Attends pour moi, bug d'affichage. J'ai fait un orage à la fin. Ah, j'ai hâte que le arbre tombe. Parce que bon, j'en parle, mais ça se trouve, on va le lose, quoi. Alors, pour vrai. Ah, lose un compte arbre spécial. Mais. Pas blanc. T'avances pas. Je sais pourquoi il détacle. Pourquoi? Parce que tu vas proc le Vulbis. Petite Nao. On va se mettre là. Hein. Peut-être pas mal. Hein. Ouais, il faut que ce soit en ligne. C'est ça. Oh là là, ça c'est du propander. J'avais exactement le même tour en tête. Ah, j'aime ça. Ça c'est du panda qui réfléchit. Ok. Et ouais, le wastage, je pense que tu vas savoir où le mettre. Un peu plus, encore un, et c'est parfait. Parfait. Ok, on a dit la petite fiole. Des papas. Ouais mais c'est pas grave, au moins tu la brain. En gros le gambaf est resté en haut. Ouais mais bon c'est un mob sur Non mais le gambaf c'est le plus dangereux, le reste Ouais mais il y en a un autre de l'autre côté si jamais. Non mais il aura jamais le temps de venir. Du ouais, coup, le plus dangereux c'est gambaf et... Gambaf et crabe. Là c'est, Lily qui va... des trucs, ou pas là c'est Lily qui va te placer. En soi ouais tu peux repousser le mollusque. En fait faut juste que tu finisses ici toi. Ok. Non gambaf le pire, le mantas on s'en fout. Puisque notre combat va être rapide et que... J'ai pas dit mantas, j'ai dit le crabe. Non Aristophe, sur le... Ouais, le mantas, sur le chat. Donc là faudra qu'il me souffle... Ouais c'est ça, et Lily tu finiras ici et tu souffleras Boogie là.
comme ça t'as l'érosion free. S'il vous plaît en premier s'il te plaît, Lily, pour être sûr. Ouais, nickel, tu gères. Et après, je peux comme, comme t'arrives bien à repousser avec acide de ce côté-là, avec les nutrophes, faudrait peut-être mettre la pelle de l'autre côté du coup. Ouais, 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 non, mais de toute façon, avec les nutrophes, j'ai ras le PM en soi, donc. C'est juste, il faut que je. Ouais, mais ouais, si jamais voilà, t'as besoin de le repousser, parce que le celui qui nous a fait chier tout à l'heure, c'est, en vrai, c'est le crabe violoniste, parce qu'il avait pu se TP avec son étoile. Ouais. Et c'est lui qui nous avait complètement décalé. Ah mais décidément il m'aime pas aujourd'hui, enfin sur cette tenta là, il arrête pas de se détaquer. En fait c'est parce qu'il te tape pas. Et vu qu'il te tape pas, tu proques pas le... Enfin tu proques le vulbu justement, mais bon 10% de dommage en plus on s'en fout. Il faudrait que tu proques le tacle. Mais comment ça, il me tape pas avant, il me tapait. Ouais, mais là, il te met 0 dégâts. C'est fini entre nous. Bah, il est ronchon. Ah, la marque, tu lui colles à la peau. Ouais. Et... Je tourne souvent mes cheveux, c'est mon. Mon doudou avait des lacets quand j'étais petite et je les tournais comme ça. Quand j'ai pas mon doudou, parce que j'ai toujours mon doudou. À mon grand âge. Et ben, bah, mes cheveux servent qu'on pense, quoi. Moi, je suis débile, c'est tout. Tout va bien. Non, parce que là, je sais pas trop ce que t'as voulu faire avec ta fiole, mais. Ouais, non, je me suis trompé de fiole. Ouais mais par contre vous verriez mon doudou, il a mon âge quoi, il est vraiment dans un état de décomposition avancée j'ai envie de dire. Mais il reste les lacets ont tenu mais le doudou s'est désintégré. J'ose même plus le laver parce que je me dis il va juste disparaître. Mais nickel ça se TP, on aime ça. Ah je tourne mes pieds aussi avant de m'endormir en vrai. Pareil aussi, sinon ça fait des petits trucs dans le lit, c'est horrible. Comment ça, ça fait des petits trucs dans le lit? Attends, quand avant de te coucher, tu t'as dit que tu te frottais les pieds? Ouais, non, c'est... Non. Je tournicote mes pieds entre eux, je sais pas. Ah non, ok, non, j'avais pas cette réflexion. C'est un genre de tic et je m'endors en faisant ça, en fait. Un jour il restera que les lacets. Repousser les étoiles, le truc c'est que les étoiles font du renvoi de dommages, donc à moins de les pousser avec des sorts qui font pas de dégâts. Mais oui, ça pourrait être pas déconnant de repousser les étoiles, ouais. En fait le problème c'est que les étoiles si on les repousse, si on met des dégâts dessus, on prend des dégâts. Du coup c'est pour ça qu'on ne peut pas les taper. Oui. Par contre, à partir d'un certain moment... Ah bah il t'a tapé, du coup t'as proc du tacle. Yes. Bonjour monsieur. Et du coup en fait, à partir d'un certain moment, on pourra les tuer. Et c'est pour ça qu'on le fait avec les nus sinon. Et oui. C'est qu'avec la pelle animée... Ah bah Discaf par contre, faut pas qu'elle meure. Tu vois, ouais. Mais là, tu vois, regarde. Il a fait le même truc que la dernière fois, mais au moins, il a pas fait bouger son monde. Il est pas allé plus loin, ouais. Ouais. Il est pas allé plus loin. Alors oui, non, mais se frotter les pieds dans le sens avoir les pieds propres avant d'aller au lit, ça me semble être une évidence. Mais c'est pas du coup de ce dont on parle. Oui, ça, oui, pareil. Ça paraît normal. Allez, on bourrine. Alors, en soi, tu prends pas de dégâts si tu osses, mais le Yop, il a autre chose à faire. Pour le moment, du moins. Mmh. J'ai plus de sort agile, là. Hein. Je veux pas faire une... Ah non, je suis saoul, ça va le repousser, donc c'est pas ce qu'on veut. Bah, je vais faire un alcochou, c'est pas... J'ai déjà fait. T'as une flamiche, hein. Je peux pas flamiche deux fois. Je me suis emballé. J'ai mal calculé mes PA, je pense. C'est ça, le truc. Et en plus, tu m'as dit engourdissement, mais... Tu l'as pas? Bah non. Bah Discaf meurt. Non, j'ai Ethylo. Ouais. iPad.
Ouais, je suis au courant que la Batty est morte. Petit moonwalk. Petite flamiche. Là, y'a une vague qui dépasse bientôt ou pas? Ouais. Bah, les mobs non invoqués meurent, si j'ai pas de bêtises. Je les trouve prêts et nombreux. Faudrait qu'on repousse le crabe, mais ça je vais pouvoir le faire. Moi aussi. Il met son étoile et il arrive instant. On est d'accord que le crabe qui est pas invoqué, il va mourir. Celui-là va mourir. Donc pousse les deux qui sont là. C'est ce que je voulais savoir. Et là, tu peux bourriner le loulou qui s'appelle le Captain Menou. Et ceux qui ont le moins de vie qui meurent. Plus les mobs sont loin de nous, et on se porte en vrai. Attends, ils sont peut-être tous en train de mourir. Hein. Le mental, en vrai, je pense. Ouais, je pense aussi. Du coup, je sais pas. Je suis perdu. Je sais pas combien de mobs dépop. On va bien voir. Bah, celui-là, la mantase allait mourir aussi. Et le Tylon proie là, je pense. Ah ouais, il meurt tous. Donc il y a 5 mobs qui meurent. Pas le crabe, par contre, que t'as repoussé. Là, t'as bien fait. Ouais, mais là, il y en avait 5 qui sont morts. Mais du coup, là, ça va être les 3. Donc celui-là. C'est tous ceux à 1650 qui meurent. Et la cousine qui est là. En gros. Ok, fait des étoiles de manière hasardeuse, ça nous arrange. Donc tout ça, 1659, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc ça me saoule si la forêt va mourir, quoi. Moi, je suis dans le mal aussi. Mais non. Ah. Par exemple, Oh là là. Ouais, non, ça c'est cool. Il nous a moins bougé que tant d'avant. J'ai besoin d'un truc dans ma ligne. Hein. Il va mourir lui. Oui, bah, avec les nuits, il va revenir. Le crabe violoniste, de toute façon, il va mourir là. Ouais. Et moi, je vais pouvoir revenir, de toute façon. Ouais, là, faut brûler now. Alors, pousser lui. Lui, il est dangereux. Oui. On va essayer de le repousser. Normalement, je le repousse. Ah, je vais pas pouvoir, moi, parce que si je le pousse, moi, douche lui là. Merci Zoko Trider pour le sub. Bienvenue dans la Naorde. Oh là là, l'huile. Ça y est, je vais reroll et nirip ça. On n'a pas. C'est une blague, je désamorce. Après, vous êtes en ligne, c'est bon. Allez. Il me semblait qu'on avait déjà un sur le. Le crabe aussi. Ah, Goom! Ouais! Ah, et c'est chaud. Il arrive pour t'entendre dire je vais reroll et nirip et tout. Merde. C'est faux, Goom, t'inquiète pas, je fais une autre nirip ça. Je ne vais pas reroll. T'as vu, j'ai pu connecter ton ennemi avec ça sans même te demander. Ouais, il aura un peu d'érosion. En vrai, on est pas forcément trop mal là. Ah, Boogie! The Jinx! Boogie! Jinxer! Ah, je râle maintenant. Je râle. Tu peux le penser, tu peux pas le dire. C'est... Ouais, voilà, regarde, toi, t'as okay, vu je t'as mettais. Vu c'est dingue. Ouais, de ouf. Ok, j'ai le retour du Westar. Je vais l'envoyer. Ça va surtout retraite anticipée, hein. Ah, ben... Je pense, hein. Ben, tu peux, sachant que je peux le Panjou pour le ramener sur moi, si tu veux. Pour pousser les deux qui sont sur la droite. T'inquiète pas, mon petit loup, je l'avais.
Et le crabe aussi à 3003 là, il est un peu dangereux. De toute façon, ils sont en retraite, ils peuvent pas bouger, ils sont en état. Ouais, c'est pour les tours prochains. C'est le prochain tour après, mais bon. C'est... Après, rien m'empêche de mettre quand même le Wasta pour après. Oui. Devant les montages, genre ici, c'est pixel perfect. Tu voulais, parce que sinon je partais sur le Gambaf, mais le Gambaf, il va aller sur la pelle. Il va pousser et il va pouvoir s'attirer. Donc non, on va aller... tu le mets ici, pardon. Et tu lui donnes nickel. Donc en fait, le truc, c'est que si on met là, le crabe peut taper, donc le tuer. Si on met là, le Gambaf peut s'avancer. Après, les montages vont pouvoir le taper. Hein. Oui, mais c'est le but. Oui, c'est lui seul. Qui a besoin de soins? Lily, un poil. Ouais, un peu. Nous, un peu. Aussi, un peu. Ouais, c'est bon, là. Avec ça, ça devrait suffire. Un peu, Lily? Ouais, ça va. C'est du bon, je sais pas s'il a la PO sur Meno pour faire quelque chose, donc... Ah, faut pas que je me débuffe, d'accord. Ok. Là, si du coup tu t'enlèves le... Ouais, je sais pas. Du coup, t'as pas soigné Lily. Attention, est-ce que je suis main steamer? Ouais. Pas ouais, convaincu. Ouais. On a un crabe loin, c'est bien. Je peux repousser le mollusque qui est là, c'est tout ce que je peux faire. Non, je veux pas, je veux que tu tapes. Tape. C'était juste pour dire, c'est la seule chose que je peux faire de toute façon. Ouais, mais en soi, non, là il faut que tu tapes et Lily pareil. J'ai jamais pisé la strat au méno, il faut pas goumer le boss. Si, les mobs on peut pas leur faire de dégâts, ils sont invulnérables, mais plus t'avances dans les tours et plus tu peux taper fort. C'est vrai qu'au début on tape rien, donc il faut aussi réussir à tenir dans les tours quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de pitcher là. En sachant qu'il a une réduction de dégâts de 50% au début, au tout début. Et là il avait 50 000 points de vie, il lui en reste 30 000. Du coup faut qu'on continue à taper. Ouais. À taper. Ouais, donc il y a des vagues de mobs qui dépop régulièrement. Il a déjà son tour le frérot là. Oh, c'est cool. Voilà, et tout le monde passe. Faites un effort les mobs, jouez vite. On est en speedrun là. C'est pas trop mal, il y a juste l'ennemi qui prend cher. Oh, l'étoile fait chier là. Oh, mais ouais vrai. Mais on va la au pire, on l'a one shot. Ouais. Alors, y'a qui à RAL PM? Celui-là, je m'en fous. Toi, t'es chiant. Le Gambaf qui est devant, ouais, voilà. Le Gambaf, ouais. Il est le plus dangereux, là. Le. Et les autres, ils. Vraiment, le crabe va mourir. Les autres, ils ont pas de vie, ou alors c'est les mantas et ils sont pas trop dangereuses. Il meurt prochain tour comme... celui qui a posé, c'est vrai, il meurt prochain tour celui qui a posé. Donc a priori il aura pas le temps d'utiliser son étoile. Oui donc ça c'est pas trop grave. On va pas s'en occuper du coup. Ah non, c'est quoi cette Vita? J'étais... je me mets... Ouais. Non, j'aurais pas fait ça. Tu voulais que je reste devant pour les nus? Ouais, mais c'est pas grave. On va se donner des shields. Après, tu peux lui mettre un lapino... Tu peux te mettre une kawotte. Non, mais je vais mettre autre chose. Y'a Goom qui dit que tu peux taper le méno avec une fée plus vacarmi si tu veux soigner dans la zone au passage. Ok, je note mon petit loup. Mmh.
repousser là, repousser la montagne, ce serait pas trop mal, non. Tu tues l'étoile avec Boogie. Non, pas besoin. Elle va mourir. Ah, elle meurt, ah oui, c'est bon. Celui qui l'a invoqué, il a 1659 points de vie, donc ça veut dire qu'il va mourir. Ok, j'avais pas vu qu'il ait si peu de vie. Mmh. L'ennemi techniquement est protégé. Tapez le méno avec une fée. Et la fée, je la mets au corps à corps et je tape la fée ou je tape le méno? Goum. Bah tape hein, Boogie. Non, c'est pas ça, c'est... je regardais si je pouvais mettre l'érosion ce tour-ci, mais non. On le mettra au prochain tour. Là, en vrai, on commence à faire des dégâts sympas. On était 7. Tu tapes la fée, ça fait une zone comme Fiole. Tu poses la fée devant le méno et tu vas garder la fée. Ok, ça marche. Eh, je suis encore en vie. Oui, t'inquiète pas, toujours debout, rassurez-vous, toujours à banane. Non, techniquement, là, on arrive à repousser. Il a rien dit, il a juste dit on arrive à repousser. Les jeunes de nos jours. Vous êtes pas sortables, hein. La montagne qui est arrivée là va mourir. Mathilde, on va mourir. C'est tout ce qui va mourir sur ce tour-ci. Juste la Mantaz. Il va pas mourir, lui. Non. Il y a juste la Mantaz et le Tylan Proie qui est derrière. Ouais, mais on peut pas le repousser du coup à cause du Tylan Proie. Si, je peux. Si, tu peux. En ligne. Fée violette, attention. Oh putain, attends. Du coup, c'est celle qui met des malus aux ennemis, c'est ça? Et ça va soigner Boogie aussi ou pas? Apparemment. Zone de 2, dommage. T'as bien fait de passer sur le live, toi. Pour les tutos Enil, l'aventure continue. Ouais, j'ai moyen de me soigner un peu sur le méno. Là, maintenant qu'on fait des bons dégâts, je vais pouvoir commencer à me soigner dessus. Je trouve que c'est assez game changer depuis que t'as changé le stuff d'acide et que tu peux repousser un peu les mobs. Oui. N'hésite pas à taper en ligne si t'as Boogie. Pour le torrent. Pas besoin de taper en ligne. Ok. Mais le torrent il sera plus fort. Si tu tapes sur lui directement. Ouais, en vrai, ça fait pas forcément une très grosse diff, hein, mais oui. C'est en gros au lieu de 2290, je faisais 2100. C'est 200 dégâts. Et c'est toujours ça de prix, oui, c'est sûr. Les dégâts commencent à être sympas là. Non, puis j'ai pu me soigner un peu aussi. Faut rien dire. Non, mais les dégâts sont sympas, c'est un fait. Non, ce qui est bien, c'est que je peux me soigner maintenant qu'on fait des bons dégâts aussi. Coup d'arc. Let's go. Dans mes... Ah. Ouh là là. T'as fait quoi? En gros, je peux me soigner. Ok, merci. Heureusement qu'il y a le bon. Ah oui, heureusement qu'il me reste épée. Ah, t'aurais abandonné le combat, je te le dis honnêtement. Ah mais là, y'a pas de pitié. Non pas mais de... voyez, c'est avancer, pour ça. Je voulais avancer pour coup de cac, au lieu d'avancer de 2, j'ai avancé de 5. Le Wasta Game Changer, je sais pas, alors j'ai pu en invoquer 2. Après ça a retenu un peu les mobs quoi. Ouais, c'est pas ça qui fait le plus de...
casse la tête, lui. Par exemple. Il va mourir, mais bon, c'est un peu chiant. Surtout que ça aurait, moi, ça m'aurait arrangé qu'il m'attire genre, sa place à lui, tapez, en fait. Juste, non. Non. Ça m'aurait arrangé que je sois là, non. Plutôt. C'est pas genre full bourrine et il tombe ce tour-ci. Non. Si. Bah... Si. Mec, t'as mis un sort à 2002 tout à l'heure. Oui, mais je peux le faire qu'une fois tous les trois tours, ça. Ouais. Il faut que je sois chargé. Ouais. Nao, tape. Ça, c'est là. Donne tout. Là, double... là, je vais pouvoir mettre 4000, quelque chose comme ça. Oui, mais t'es pas tout seul pas à passer sûr. Dessus, mec. Mais un coup de mentache. Un coup de mentache. Un coup de corps à corps. Mentache. J'ai pas fait ma... Pas grave, maîtrise pas. Nickel. Ouais, je fais du 1000 avec mes sorts. Ce qu'il y a, c'est que bah, je suis loin. Tu pourras juste repousser le. Enfin, de toute façon, tu vas le repousser le crabe violoniste. Avec acide. Pour pouvoir aller taper. Ouais. Si tu le repousses. Et les cœurs stridents et les machins là, ils sont où? Fais gaffe, parce qu'avec Lenny, du coup, là, on est plus. Ouais, j'ai pas de ligne. Ouais, je sais. Ouais, ça serait Goom, dommage de pas crit, être en ligne maintenant. En vrai. Ok. Là, c'est acide. On est d'accord? Oui, il faut qu'il se mette en ligne avec le crabe. Oui, il va mourir. Ce crabe. Ouais, mais c'est juste qu'il nous taclait. Oui, mais de toute façon, il va mourir après, donc c'est pas grave s'il est proche de nous. Oui, c'est oui. Ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Oui. Par contre, t'es toujours pas en ligne avec quelqu'un, si jamais. Voilà. Ouais, je vais finir là, du coup. Ok. Tu tapes. Ah, peut-être tu retrais PM. Et tu finiras ici, Non. Boogie. Boogie! Quoi? Mais il est quoi? Mais tu vas crever, t'aurais dû finir là! On joue un tour de plus! Et on n'a pas besoin d'un tour de plus, en théorie. Lily, tu fais du 3006? T'as quoi comme bouclier, Lily? J'ai vertu, si tu veux. Non, t'as quoi comme bouclier? Ah, j'ai un 4 feuilles. Ok. Double pression. Ah, je sais pas, mais en vrai, bourriner. J'ai besoin de ligne pour bourriner, moi. La précision. Précipitation. Je le tue. Ah, tu le tues? Ok, bah nickel. Bah oui. Finis bien en ligne. Hein. Il faut bien que tu finisses faut en ligne. Faut que tu restes là où t'es, ouais. Si possible. Ouais, ou alors tu peux même aller là si tu veux, mais. Épée Diop et Flamish. Go. Moi j'ai besoin de ligne pour désolé, faire un film de dégâts. Non, mais désolé Boogie, désolé. My bad. Et puis là où j'étais, je restais en ligne avec les gens, c'est pour ça. Bravo. Faut se faire confiance là. Ouais, mais je pensais pas qu'il allait avoir les dégâts comme ça. Et c'est le. My bad. Bah. Omega 159. GG. 175 pour Racine. Bravo à nous, je suis très fière de nous, voilà. J'ai bien vu Boogie. Ouais, non mais c'est... Non mais je pensais pas que t'allais taper aussi fort, c'est pour ça. Non mais le rôle de tombe en fait, était réel. Oui, sur chacun de mes sorts doubles, en fait, je faisais du un peu plus de... Enfin, 1200 environ. Donc ce qu'il y a, c'est que pour ça, j'avais besoin d'être en ligne. Donc, j'étais resté sur 1000, donc c'est my bad. Non, c'est ma faute, je t'ai engueulé pour rien. Non, pas de problème, je comprends que t'aies eu peur que ça... Après, même si je mourais, je pense que vous finissiez. On a mis presque une... On prenait énormément de dégâts. Il aurait fallu que j'ai quelqu'un en ligne, mais oui, je pense. Lol. Ta gueule, Goom. Vous avez vu qu'on a fait le chat le tueur à vue sans faire attention. Let's go. Mais... 29 minutes de combat. Ouais, ça va. Non, le givre fou, c'est à moi. Un truc aussi chiant. Ouais. Le Vilbis aussi est techniquement. Oh, mais... En vrai, je peux le prendre, hein, ça me dérange pas, ça me fera non, en plus. Hein. Non. C'est parti tout seul. Ça. T'as pas un ocre qui traîne? Non.
Hop. Là, il y avait bon. Ça, je crois. Non, le bloqueur est à moi ? Ah oui, le bloqueur est à moi. Oui, c'est le bon. Bloqueur. Et non, pas l'autre. J'ai acheté un stuff pour, pour le maintenant. Ah, mais par défaut, c'est chiant cet anneau qui. Qui s'enlève. Hein. Pour faire ton équipement rapide. Et t'es passé où, Miss ? Ah, C'est déjà barré ? Non, parce que j'ai. Ouais. T'es plus dans la guilde ? Ah non. Ok. Non, il est que vu que je suis souvent connecté, il y a personne. TP-moi, s'il te plaît, Boogie. Et il y a personne, j'ai rejoint la guilde de potes à moi qui ont repris Dofus il y a peu de temps. Ok, ok. Du coup, c'est pour les aider et avoir du monde. Non, oui, bon, oui. Bah, ouais, du coup. Athéos. Ok. Ouais, c'est une petite guilde. De non, coping. Mais tu justifies pas, je remarque. J'ai mis hyper longtemps à rentrer chez la Horde. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne tire pas. Tenu, hein. Alors, oui. Du coup, ça fait deux pour aujourd'hui. Par contre, je ne tire pas la roue parce que, de toute façon, oui, vendredi, c'est servitude. Le prochain, c'est servitude. Donc, ouais. À la rigueur, vendredi pro, là, je pourrais. Je pourrais retirer si ça passe pas le vendredi pour le samedi, quoi. Mais ou si ça passe d'ailleurs, bah on retirera à ce moment-là, je pense. Du coup, Miss, tu prendras le peur. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai, vendredi, t'es pas là la semaine prochaine. Vendredi, toi. Vendredi, je sais pas encore. Peut-être que je serai là, mais samedi, et Goom, c'est surprenant. Il sera là. Il sera normalement, il sera sur son ennemi. Ok. Normalement, et il y aura Goom. Franchement, j'ai trop hâte de voir Acid se ramer. Bah il a déjà préparé des réseaux et c'est bon, il est techniquement il est opérationnel. Il est prêt quoi, il est chaud de fou. Trop bien en vrai. Ouais. Bah okay. Techniquement, on a prévu de tomber la servitude T5. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien. Et on jouera double panda tank. Oh rigolo, d'accord. Et du coup, c'est pas grave si j'ai pas de dame Jessica. Non, parce que moi je pense que je vais tacler les mobs et la servie. Et puis au pire, elle ira sur nous. Ou du je te la filerai peut-être et tu fileras ta ceinture. Alors, si, enfin, tant qui si j'ai pas de. On verra sur le moment, mais il faut qu'il y en ait un de nous deux qui titille les armées créantes, qui les tape, qui leur mette des dégâts, même si c'est une flasque, pour qu'elles évitent d'invoquer leur opprimé. Et qu'elles se reculent, du coup, il faut qu'elles se reculent de ouf. Mais il faut quand même réussir à faire des dégâts pour ça, non ? Oui. Si je suis en mais tank, est-ce que je tape dégâts, assez fort ? Ouais. Bah, si tu mets un de dégâts, c'est bon. Ouais, mais parfois ça. Ouais. Ça tu mettras pas un de dégâts, t'inquiète pas. Ok. Je peux la prêter. On verra, Yout, on se redira. Ouais, pourquoi pas. Ça sera vendredi de toute façon. Vendredi, 20h15. C'est bon pour l'heure, Miss ? C'est... Normalement, oui. Ok. Normalement, oui. Ça dépend, mais j'arrive pas à me connecter à mon emploi du temps. Du coup, je peux pas le confirmer à 100%. Bah, okay. Tu me confirmes quand tu peux. Pour que. Là, j'ai envoyé un message à ma responsable et je te tiens au jus. Enfin, ça, de toute façon, ce sera ce soir-là, mais là, je pense pas qu'on parte faire un autre donjon avant, donc quitte à se donner rendez-vous plus tard, quoi. Bah, là, il est 20h40, donc je pense que c'est fin de soirée. Sauf si tu voulais non. Partir sur autre chose. Non, là, on part pas non, sur non, autre c'est chose. C'est fin, pour là. Vendredi. Ah, non, c'est pour vendredi, là, on n'a pas de petits coulos à faire avant un potentiel service.